Tu vas me dire si ça me ressemble. Si ça me ressemble, c'est la fête du slip. Bon bah déjà, le jeu est beau. Je sais pas comment je suis, si je suis en ultra ou n'importe quoi. Je sais pas si j'ai des FPS. Ça a l'air assez fluide. Oula, j'ai récupéré un paquet de choses. J'ai trop de choses à rêver. Marcus a reçu pantalon, pantalon, chemise, bottes, machin, un truc. Rendez-vous au marqueur. Coucou les filles. Oula, y a une chèvre qui a une peau de vache. Étrange. Y'a des poules. Bien. Ça explose. Atteindre le mur du refuge. On se fait bombarder. D'accord, ok. J'arrive. Oh putain, y'a pas de balles dans ce flingue. Ouh, salut. Ah puis il met 3 pompes à le recharger. Je te ramène, agent de la Cruz. Ce qui est bien, c'est que je connais vachement le lore du jeu. Ah, il y a un virus qui... En fait, en gros, c'est la fin du monde. En gros, il y a différentes factions. Je n'attendais pas à une autre attaque aussi rapidement. Ça va? Si ça continue, on va devoir bouger d'ici. Allez, donnez-moi un coup de main. On n'est pas assez nombreux pour protéger tout le monde. Oh, la caméra en haut de l'échelle. Pas encore. Ça m'a limite donné la chair. Allez, tellement c'est bien fait. C'est pas possible. Oh putain, je rêve ou... Non, j'ai eu l'impression pendant un temps que les cheveux et la barbe réagissaient à la flotte. Ça m'a fait chelou. Ah, mon petit pistolet. J'ai même pas changé d'arme pendant tout le truc. Il m'a même pas dit d'ailleurs comment changer d'arme, j'ai l'impression. Moi j'ai trouvé une arme sur la route, il y a un AK. Tu peux tirer sur les cadenas s'il y a des portes verrouillées. Oh, c'est quoi ça? Cette mini tourelle à pistolet? Tu mets ton pistolet dessus, ça fait une tourelle. Ouais ouais, exactement. Tu verras, c'est débloquable. Le jeu est génial. Il s'est fait hacker comme un bleu. Bien joué. Ah, j'ai plus de piles dans ma montre. Ça y est, j'ai des piles. C'est un signal de détresse. Avec les coordonnées de Washington. Mais comment c'est possible? Oh. La meuf, elle connaît les coordonnées de Washington comme ça, par cœur. Quelqu'un doit rester. On peut pas abandonner ces gens ici. Je vais sûrement t'attendre. Enfin, je suis bloqué dans le menu, je peux même pas en sortir en fait. En fait, je suis obligé de choisir une spécificité sur mon personnage. Ouais. Et je voudrais qu'elles soient complémentaires les nôtres, tu vois. Ouais, ouais, pas de soucis. Donc, je suis en train de regarder. Je vais tellement m'amuser quand je vais gérer le son de Discord dans le logiciel de montage. T'auras du taf, c'est clair. On ne se rendait pas compte de la chance qu'on a. Surtout que là, si on joue, je sais pas, si on joue 3-4 heures, je me dis déjà 3-4 heures, ça va faire. Allez, 3-4 épisodes, bellement. Et quand tout a disparu, on a survécu. Ah, we survived. Quand les communications. When communication broken down. Et internet sont tombés en panne. Train station et internet, we survived. Mais quand les pharmacies ont commencé à être pillées. Et les hôpitaux fermés. Elle est bien la petite cinématique. Est devenue une maladie mortelle. Oui. L'asthme est devenue une maladie mortelle. Mais elle a toujours été une maladie mortelle. Vous aviez non, âme. Mais. Votre voisin a une arme. Oui, oui, je me vois bien. Je vois bien le principe. Alors... Je sais pas si t'as vu, il va y avoir Days Gone qui va sortir sur PS4 aussi le mois prochain. Ça me donne. Lorsque la société s'effondre. Un kiki tout dur. L'homme se relève. Je suis en train de lire un peu toutes les spécificités. Ce qu'on veut devient aussi. Ce dont on a besoin. Face à la catastrophe. Oh, t'as un drone qui peut dévier les tirs ennemis. Nous avons créé de nouvelles communautés sur les ruines de la Grâce société. À l'émetteur sonique nous montés. Nous sommes adaptés. Oh. Nous avons établi ça devient un la peu nouvelle pété, normalité. Hein. Y'a pas l'armure d'Iron Man aussi? Mais il y a ceux qui ne bâtissent rien. Ah, tu t'es trompé de jeu. Qui nous créent. T'es sûr? Des hyènes, traquant les plus faibles. Depuis, le réparateur restaura intégralement la protection des alliés à proximité. Nous ne sommes pas seuls. Je suis en train de tout lire, mais c'est tellement énorme que. Quelques braves ont juré de nous protéger est valable, en fait. Et de sauver ceux qui restent. Bah, il faudrait qu'on trouve un truc complémentaire. Unissent. Je suis en train de me creuser la tête pour. Ils sont notre bouclier, notre lumière. Mais si cette lueur s'éteint. Alors qui nous sauvera? Moi, je vais vous sauver parce que je suis le meilleur. Et Ronto est deuxième. Alors, je pense Sept que... 7 mois se sont écoulés depuis le début de l'épidémie. Ubisoft.
des pieds. Toujours dans la peur du virus, le poison vert. Le poison vert. Mais le vrai danger est défensive et une compétence offensive. Il attend. Tu sais, en soi, la meilleure défense c'est l'attaque, et la meilleure attaque c'est la défense. Oui, c'est pas faux. Ok, j'adore, je me balade dans un cimetière, c'est la fête. Ok. Intéressant. Oui, tu m'as déjà montré, on décèle des fortes collaborations avec... Ah, décèle des fortes concentrations de DC-62 au-delà de cette zone. L'exposition à ce produit peut conduire à une corrosion cutanée, des problèmes respiratoires et la mort. Ok. Putain, je crois que je connais cette ville, je l'ai déjà vue dans un film. C'est peut-être Paris, non? J'ai reconnu l'obélisque. Ah ouais, je reconnais, c'est sûr, c'est Paris. Pourquoi tout est marqué en anglais? C'est pas la mosquée de Paris? Ah non, c'était pas le cas. Bah regardez, c'est l'obélisque qui est à Paris. Par contre, si je confonds la mosquée de Paris avec... Ah ouais, là par contre, ça, tu vas loin. Faut vraiment que j'ai les yeux dans la merde. Une heure et demie de film plus tard. Ah mais là, de toute façon, moi je te dis, je suis en train de regarder toutes les... Il y en a combien parce que... Ah mec, il y en a beaucoup. Hein. Je suis en train de tout regarder et je pense que j'ai trouvé la mienne. Ah. Reste à voir ce que toi tu vas prendre. Ah, j'ai une super montre. Mais elle donne même pas l'heure, il paraît. C'est comme dans Spy Kids. Elle donne que des coordonnées. Bon, j'ai rechargé mon petit pistolet. Atteindre la pelouse de la Maison Blanche. De la SHD. Oh, d'opération est attaquée. Les troupes ennemies ont j'ai eu le... notre périmètre au sud. Le cerf. Je sais pas s'il y a quelque chose dedans. De l'aide immédiate des agents à proximité. Bon, il y avait rien sur le cerf, il a pas looté grand chose. Parce que tu l'as buté le cerf. Non, même pas. Je vais peut-être prendre la capacité ruche. Ruche et la ruche booster dégage un stimulant qui améliore l'efficacité au combat des alliés proches. Tu peux pas t'ajouter. Ouais, peut-être que ce sera toi qui la prendra, je sais pas, si ça te tente. Mais celle-là elle est forte. Elle est vraiment forte. L'impulsion ça donne quoi? Ok, je viens de foutre un headshot à quelqu'un en pensant que ça allait le tuer. Grosse erreur. Ok, ils te disent de prendre l'arme de poing, je comprends pas pourquoi. Hein. L'impulsion, ça fait quoi l'impulsion? La précision de ce truc, c'est nul! C'est un scanner en fait. Émet une impulsion qui détecte les ennemis dans la zone et indique leur position, ouais. Ça doit être des barres la tour de lance-flamme. Ça fout tellement la merde. Les peurs? What the fuck? Eh bah j'ai couru sur toi, t'as rien vu, bonhomme, hein, donc calme-toi. J'ai des grenades, mais alors comment qu'on s'en sert des grenades? D'accord. Bon. Putain, je suis coincé dans ce menu. Ça fait chier. Elle met le temps avant de péter, hein. Oh, c'est long. Même pas sortir. Ok. Agent, si vous nous recevez sur cette fréquence, continuez. Oh, j'ai trouvé des genouillères. Oh, je suis heureux. Oh. Ça, je vais pouvoir m'agenouiller et prier correctement. Quelqu'un qui a fait péter une bombe de peinture verte. Très bien. Je pense que je vais prendre la tourelle. Et ça, c'est des ennemis. D'accord. Quelle variante de la tourelle? Ah, ils m'ont vu? Basique. D'accord. Oh, je suis vexé. Allez,
va débloquer la basique. Ok. Ou la lance-flamme. Non, mais la lance-flamme, c'est un cône. S'ils sont pas dans le cône, je prends la basique. Ok, on débloque ça. Débloquer la tourelle. Oh bah dis donc, le mec il a 1 mètre d'un explosif, ça le tue pas. The fuck. Ah par contre, il meurt de la brûlure, ça c'est cool. J'ai entendu grenade lancée. C'est des avantages passifs à mes rangs en personnage de manière diverse. Ça plaît. Ok. Ah, ceux qui ont des grenades, si tu tires dans la grenade, ça les. Ça la fait péter. Oui. C'est rigolo. Et l'arme. Fais chier lui là-bas, mais j'ai pas d'arme à distance moi. Okay. Quitte. Wow. Votre protection est affaiblie, d'accord, ok. Ok. Au théâtre. J'ai bu une potion. La maison blanche. Ok. En train de regarder la map là. Trouver des assoyeurs au théâtre. Ok. Je viens me balader. Je sais pas si lui c'est un. Non, c'est un gentil. Mais il te tourne le dos, pourquoi t'arrives pas à le tuer? Vous êtes nul en fait. On va découvrir un peu la base. C'est là. Les serveurs. Oh, c'est pratique comme. J'aimerais bien avoir un extincteur pareil. C'est rigolo. Ah, je suis arrivé aux coordonnées. Base d'opération. Mais c'est quoi cette maison en fait? Je connais pas moi. C'est une zone résidentielle, c'est ça? Le repère un peu. D'accord. Non, mais tu. Enfin. C'est juste la maison blanche, hein, Anto. Réveille-toi, hein, mais. C'est... Ouais, qui sert de repère des gens. Ouais, ouais, mais je dis ça en mode blague, toi. C'est... Un, mais c'était il y a longtemps donc. Oh, une tour! Une tour aux échecs. Le post-générique est meilleur que tout le film. Ah, ça, à voir. Ah, bah moi j'ai c'est entendu beau. Que le post-générique il était encore pire. Bienvenue à Washington. T'as remonté que le film. Bas, je suis Manny. Ça fait plaisir. Communication. C'est l'alerte de la division qui vous a fait venir. Alors, comment je suis content de vous voir. Accéder. Je vais vous montrer à quel voilà, point on est dans la merde. J'adore ces figurines. La JTF a implosé, la ville est devenue un terrain de jeu pour les sociopathes. Déjà des genouillères. Il y a plusieurs factions principales. Et plein de petits poissons qui récupèrent les miettes laissées par les gros. Quelques camps de civils tiennent encore le coup face à toutes ces horreurs. Mais l'aide qu'on a pu leur donner jusqu'à présent est loin d'être suffisante, surtout depuis la panne de la division. Je vais la garder là, AK, quand même. Ça, c'est Kelso. L'un des derniers agents encore en vie à Washington. Elle a été envoyée en mission prioritaire au refuge du théâtre. J'ai 112. Ah, avec 112, je peux rien acheter. S'il y a quelqu'un qui sait comment réactiver les systèmes, c'est elle. D'accord. Attends. Oh, et profitez-en ouais, pour vous présenter aux civils sur place. Tranquille. Histoire de les rassurer. À l'intendant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intendant, à l'intendant. Ouais, c'est à l'intendant qu'il faut que tu parles, il se trouve au sous-sol. Tant que j'y pense, agent. Quand tu l'auras fait, on pourra aller faire la mission. Vous aurez un moment. Il pourra vous fournir du matériel de la division. Mettez toutes les chances de votre côté. Et pour moi, le truc le plus pété, c'est le. Ruche. Non, mais. Le ruche booster. On va voir ce que tu m'appelles ça, le rush booster. Par bah, contre, si tu en déposes une minute de réparation, d'accord. Mais non, je suis pas ta merci, hein. Oh, 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 en gros, oh, en gros oh, ça, oh ça booste les... Allez, c'est parti, je prends la mine. Mine téléguidée, variante explosive. Ok, très bien. Ok. Ok, très bien. Wouah. Forteresse! Les factions cibles de DC sont fermement implantées dans des forteresses. Affaiblissez ces factions en menant à bien des missions principales afin d'accéder à leurs forteresses. Les milices d'habitants ont pour base des refuges. Les refuges sont des lieux sûrs où les habitants se sont regroupés afin de s'appuyer et de se protéger mutuellement des dangers de DC. Le refuge le plus proche est celui du théâtre dans la partie est de la ville. Les refuges fournissent diverses activités, dont des missions principales, missions annexes et projets. Rendez-vous dans les refuges et voyez quels sont leurs besoins. Menez bien les missions d'un refuge, débloque de nouveaux matériels et compétences. Cela améliore également le refuge et fournit à la base d'opération du nouveau personnel. D'accord. Voilà, je suis grand, je pourrais écraser. Je dois être Ant-Man dans le jeu parce que je suis suffisamment grand pour écraser des buildings.
Oh putain, Magé Bleu, vous invitez à rejoindre sa partie. Vous avez reçu une invitation à rejoindre le groupe d'un autre agent. Ah, c'est rigolo. Alors tu peux te servir de la touche espace pour aller d'endroit en endroit. Ouais, ouais. Et apparemment, je peux servir aussi du clic gauche pour tirer sur mes ennemis. C'est possible, ouais. Oh, il y a du loot. Nice. Ronto, Ronto, comme d'habitude. Ah, il y a quelque chose à looter. Je cours dessus. Et un chien, ils attaquent les chiens ou pas? Je sais pas, mais tu tires pas dessus. Autant tu peux tirer sur les biches, on bat les couilles, mais les chiens, tu tires pas dessus. Oh non, non, il est gentil. Attends, il y a quelque chose ici. Oh, il est beau le chien qui court. C'est Canigou. Voilà, tu. Visite du refuge de Rontopo. Vous avez des jeux dans votre boîte de réception. Allez voir votre réserve. Apparemment, on est chez toi, hein. Tu le sais peut-être pas encore, mais on est chez toi. J'ai été spoilé. C'est ça qui est bon. Oh, oh, on est beau comme ça, l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce que tu vas me faire là? Parce que je vois que tu me regardes et que tu renifles mes sous-bras. C'est assez chelou. Ils font quoi? Ils font l'entraînement au tir? C'est... Ah d'accord, ok. C'est un stand de tir. T'as cru qu'ils faisaient un câlin? Bah ouais, j'ai eu un doute. C'est là qu'on est censé aller ou? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a un bar. C'est pas ce que tu loupes, hein, franchement. Bon, par contre, il est un peu vide. Moi, j'ai pas l'indicateur de où est-ce qu'on doit aller. Retrouver Odessa au théâtre. Si, bah, suis-moi. C'est pas là? Bah, j'y suis là en fait. Non, c'est là où je vais. Bah, je suis au théâtre. Bonjour. Non? Oui, bah, quand je te dis que j'y suis, j'y suis. Non, mais c'est là, c'est cette porte là. C'est parti. Oh wow, des photos! Il y a un PC, un vieux Dell apparemment. Oh là! T'as vu qu'elle a un truc au niveau de la jambe droite? Genre en fait, elle en a plus? J'ai pas fait gaffe. Regarde, il y a un problème. J'aurais dû y aller aussi. Mais j'aurais fait que les ralentir. Oh, les cicatrices! Mais non, c'est du maquillage. C'est pour faire genre. Et la jambe aussi. Vous avez d'autres problèmes. C'est un trompe-l'œil. Mais ces ordures de hyènes ont enlevé ma fille. C'est un tatouage super bien fait en fait. Pour m'avoir moi. Ah. Toi et tes grosses pommettes. Et je paye toujours mes dettes. Eh bah c'est pas avec ton bar que tu as payé tes dettes, hein, par contre, hein. Désolé. Un poil à sec.